Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Madame Dilux pour le Dual Showcase du nouveau Super Vegeta LF. Et c'est un Dual Showcase, attention. On n'a pas mis beaucoup de CC, mais on l'a tous les deux eu, donc ça c'est cool. C'est deux un nouveau Dual Showcase. Très bien. Deux de suite, attention. Ça fait beaucoup là. Ça n'a pas arrivé depuis des années, je pense. Voire même, c'est trop, ça n'est jamais arrivé de choper deux fois bon, le même. Faut pas abuser. Il est dans la bille. J'avoue, faut peut-être pas abuser, mais bon, aujourd'hui c'est le Dual Showcase de Super Vegeta LF. Bon, Super Vegeta LF. Bah on va voir, on dit rien pour l'instant. Il est beaucoup décrié, il est... Critiqué, qu'on dise les termes, il est critiqué, oui. Le Super Vegeta. Il y a beaucoup d'habitude. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ah tout à fait, il y a des lacunes, effectivement, il y a des lacunes. Déjà, principalement sa couleur rouge. Est-ce que c'était la bonne couleur? Ça c'est déjà, ouais, ça, ok. Il y avait déjà Uvaru qui était déjà le... plus ou moins le pilier de la team Famille Royale qui est du coup de la même couleur. Est-ce que c'était du coup la même couleur à sortir? Pas sûr. Est-ce que c'était nécessaire de le refaire rouge? La team Royale qui a pas trop de gros up, les items qu'on peut lui mettre dessus sont pas incroyables non plus. Il a pas de très gros items. Il en a un qui est très bien, mais le reste c'est assez discutable quoi. Après il a des KZ, donc en soi cette excuse là, enfin parce que du coup oui, mais non. Refait, il est les KZ justement ça suit pas trop, parce que tu vois par exemple pour justement dans ma team je lui mets une KZ Zenkai dessus. Ah, dégage. Et je suis obligé de lui mettre le Goku et ses Jinamek parce qu'il y a rien d'autre, ouais, comme KZ Zenkai. Et sa KZ de base, Goku, est nulle. Donc, c'est à dire que les KZ Zenkai sont pas aussi fortes parce que les KZ de base compensent pas trop. Okay. Donc, c'est un problème. Et surtout aussi, il a un gros problème, c'est qu'il a 2 millions d'HP. C'est tout. Il a que 2 millions d'HP. Donc, vu qu'en plus, c'est un personnage que tu dois jouer dans une team qui doit l'entourer, t'as pas forcément le choix de mettre des câbles d'HP dans ta team et des items HP aussi, c'est pareil, il en a pas beaucoup. Ouais, je vois bien. Donc, c'est compliqué, mais on va voir. Peut-être que dans cette game, on va mieux s'en sortir. En tout cas, on n'a pas présenté nos teams du coup, au fait. J'ai en train de penser. Team Cyborg avec Super C17, voilà. Toi, t'as choisi de jouer avec le C16 du coup. Je sais pas ce qu'il fait, est-ce qu'il y a de l'anti-cover quand on fait ça ou pas? Oui. Carte verte. Oui, la carte verte de C16. Mais rien de sûr. Premier test des deux persos là Donc à voir. En tout cas, t'as un long combo là. Là, ma jauge est remplie, du coup j'ai de l'anti-cover, de l'annulation de contre-type, mais t'as pas de bleu. Donc ça là-dessus, on s'en fiche un peu. C'est quoi ça verte? Ça va pas nous servir. Alors que moi, tu as un bleu. Moi j'ai un bleu par contre. Et aspect du coup qui va faire mal vu que ta jauge est remplie cette fois-ci. Ouais. Bah quand même. Quand même, c'était sympa. Ouais. Je suis obligé d'utiliser Trunks là-dessus. Il a encore l'anti-cover. Elle a duré longtemps l'anti-cover là. C'est vrai. Ça a duré très très longtemps. Let's go hein. Ouais, du coup là je peux absolument rien faire. Depuis tout à l'heure. Tu j'ai tapes et. Tranquille, je fais ma life. Et je ne peux rien faire malheureusement. Aïe aïe aïe. Donc bon. Ah, j'ai tenté. On survit, mais bon, pas trop non plus quoi. Ah oui, je t'ai enlevé ton ki. J'ai pas de ki, j'ai rien. J'ai pas de ki, j'ai rien et j'ai plus que. Il a changé de perso quand il rentre en scène. Oh non! Il rajoute 2 secondes de... Ok, ça c'est vraiment en plus j'ai une spé. Y a pas de survie au chaos? Non, pas de survie au chaos. Donc là il est décédé quoi. Et donc du coup sur une entrée en cover, tu pioches une spé, c'est ça non? Il t'a fait piocher une spé ou t'en avais déjà une dans ton deck? Et puis... Quoi? Non t'es nul! Non mais là qu'on se le dise c'était nul ça. Ben non, mais tu me tues pas, j'ai une... Mais non, mais il a pas... Si. Mais non, mais le Goku, il l'annule, ça. Il fait comme le CD7 MVP. Ok. Il l'enlève, ton bonus de stats, enfin, voilà quoi, ton... D'accord. Ton bonus d'état, je veux dire. Pour se prendre ulti. Non, je t'ai vu, en plus. Non. C'est vrai.
Voilà, je t'ulti, moi, y'a quoi? J'ulti pas avec super. C'était un peu terminé. Double ulti de loin, c'est du coup. C'est pas un élu. Avec C16 et Super Vegeta. C'est vrai. Ça peut être très intéressant. Ouais, ça peut être intéressant parce que là, du coup, je t'ai pris un peu de côté. Mais attention, justement, oui. Je sais pas concernant le C16 que j'ai pas testé, mais tout à l'heure en live, j'ai mis justement l'ulti de Vegeta dans un pas de côté, mais le mec a pu esquiver quand même. Donc c'est pas un ulti rapide. C'est-à-dire que si t'es en plein pas de côté, ça doit dépendre des timings, mais il y a possibilité d'esquiver. Ouais, donc faut le faire en combo quand même. Donc voilà quoi, c'est compliqué. Ouais. Si tu le fais de loin, à moins d'être sûr de pouvoir le placer, sinon ça peut être compliqué, effectivement. Je vois, j'ai capté. Aïe. Pas cool. Est-ce que tu peux changer tes persos quand je fais ma verte? Oui. Tu vois, je prends exactement, même voire plus de dégâts là contre Super Vegeta que contre le bleu qui est beaucoup et C16 et que 3 étoiles, pas hard boost. Ah, c'est. J'ai pas des bons équipements dessus. Il est pas du tout petit mon C16. C'est vraiment les premiers tests de C16 aussi, ouais. Quoi. Ah oui, c'est vrai, il a un petit cover. Si vrai. Allez, repioche. Non, j'ai demandé de suivre, il a pas voulu. Je pensais qu'il piochait automatiquement une carte, mais. C'est là, par contre, non, verset 17. Ouais, non, peut-être pas. Ah, déjà le remettre. Ouf hein. Je me suis dit, j'ai tenté l'aspect direct pour me dire, bon, est-ce que tu peux peut-être. Oui, bah non, comment je fais pas quand ça fait ça. Oula. T'es parti dans le vide. Non. Ok. Ah. Ouais. Du coup, là, je peux main. Into. Spé. J'ai pas pu esquiver. Bah, j'étais en combo là quand même. Bah non, il y avait le point d'exclamation. J'ai esquivé, il a pas esquivé. Ah bon? Bah ouais, bah faut aller se faire foutre là. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Bon, j'avais l'impression d'être en combo, non? Ah non. J'étais pas en combo, il y avait gros point d'exclamation, mon doigt a fait le gros glissé, mais non. Bon, bah. Ouais, ok, bah j'ai pas compris. Trop bien. Du coup, je perds mes 3 persos pour rien. Ah! Ah vas-y, j'ai arrêté de jouer. J'ai pas fini, hein. Bah tu peux faire un V3 peut-être. Bah oui, bien sûr. Bon, ça a été compliqué. Bien sûr. Avec le meilleur perso de l'année. Bah après là, Super Vegeta a fait des gros dégâts. Il a quand même fait des gros dégâts. Oui. Mais en fait c'est ça le truc, c'est que offensivement en fait il y a pas vraiment de souci là-dessus, il est fait pour taper, il y a pas de problème, mais le problème c'est que ses lacunes défensives et tout ce qui est à côté, le reste au niveau de sa couleur etc, son intégration fait que ça prime par dessus sa capacité offensive et du coup forcément les gens sont déçus, surtout quand c'était un perso quand même attendu. C'est normal quand même. C'est un perso qui était attendu, Super Vegeta, c'est un perso voilà, un peu emblématique de Dragon Ball. Non mais par contre, je suis pas d'accord, c'est Super C17, il tape, mais il a pas que ça, enfin, tu peux pas avoir que ça maintenant en 2024. Oui mais tu vois, regarde, au tout début, Super C17 c'était pareil, il était quand même décrié, parce que pareil, défensivement, c'était quand même assez compliqué, mais c'était pas non plus nul, je sais tu pas, vois. Après moi je l'ai beaucoup étoilé, mais j'ai jamais trouvé moi qu'il était... Oui, déjà pas normal. Après, si toi tu l'as beaucoup étoilé, c'est sûr. Je pense que ça joue. Mais après aussi, on lui a trouvé une team plutôt forte à Super C17. Avec des bonnes capes de Zenkai. Mais regarde, des là, bons tout de suite, items. Tu viens de le taper et je prends pas de dégâts. Oh, tu m'énerves. En fait, j'ai pas de ki. 20 000. J'ai pas de ki, donc. Oh, God, je fais ce que je peux. Oh. Aide. Je fais ce que je peux, j'ai pas de ki. Aide. Mais ouais, Super Sentai, le problème c'est qu'il a une largement meilleure intégration, des meilleurs câbles de Zenkai, un bon combo blast rouge, ça c'est une très bonne couleur pour la team Cyborg, des bons items, enfin etc. Il y avait voilà, tout meilleur que Super Vegeta. Là, il tape pas sur des bleus là. Parce qu'il a pas sa jauge. Bah si, il vient de l'avoir. Oui, là il vient de l'avoir. Oui, mais... ah oui, d'accord. Oui. bah oui, forcément aussi. Bien gaze, hein. Ouais, Didoux. Ulti de Trunks, lui. Voilà, c'est lui. 2008, je sais pas si c'est combien de dégâts il prend. Montrons ce qui est 14 étoiles. Je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui l'ont aussi 14 étoiles, ce perso. Ouais, mais t'as mis plein de PZ aussi. Ouais, ça c'est bien, ouais. J'ai mis énormément de PZ même.
Oui, peut-être d'aller sans lui quasiment, à l'époque. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je foire mes clashs. Tout simplement, je foire mes clashs, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Un adder d'autre. Aïe. Ça fait mal quand même. Ouais, j'ai pas le choix. T'es j'avais pas le deux spé, super. Oh non, j'ai que des blasts. Ouais, c'est une thèse de percée 17 nul là. Super. Ah merde, vu que c'est super, je confonds. T'as vu? Moi aussi, tout à l'heure, j'ai dit deux fois percée 17 au lieu de super Vegeta. T'avais deux super de suite qui est sorti. Oh, ils avaient one shot. Yes. Oh, ils avaient one shot. Comment ça? Et derrière, tu peux combo en plus, ça c'est fort ça. Double SP, accumulative. Oh. Allez. Bah, hop là! Tu vas attaquer un jour ou quoi? Non, tu peux pas attaquer! Ah ouais, T16, j'ai. Et voilà, on vient de voir en deux secondes. C'est lui la vraie star. C16 est supérieur à Super Vegeta. Ah, Vegeta, il s'est pris un 3 quarts vie. Oui, en plus, je crois qu'il fait ça. Il oui, a annulé la survie au chaos. Bah oui. Ah oui, pendant longtemps, c'est ça. Pendant 50 secondes, ouais, il a ça, donc c'est très intéressant. Et aussi, bah hein. Voilà. Hein, on a vu la vraie star là. À 3 étoiles. J'étais en V3 d'un coup là. À 3 étoiles, il m'a mis 3 quarts vie. Enfin, il m'a tué le Super Vegeta qui était à 3 quarts vie. Donc, je répète, hein, j'ai un équipement A. Les deux autres, ils sont pas incroyables non plus. T'as juste une cap Z Zenkai, 3 étoiles par boost. Ça, un cap Z Zenkai. Donc, ouais. Oui, t'es censé être plus fort, c'est un relief et tout. Hein. Le problème de ce Vegeta, c'est défensivement. Compliqué. On dirait un Migaté sorti premier du nom, le Migaté violet hein. Qui se faisait two shot dès qu'il se faisait attraper. Sauf que là, il a même pas d'esquive pour essayer de temporiser ou quoi. Donc, une erreur et derrière le perso, bah tu le perds quoi. C'est ça qui est. Puis très en plus, compliqué. Pour profiter à fond du perso, il faut essayer de le laisser sur le terrain. Mais s'il survit même pas à un combo, ça sert à quoi? Ouais. Il sert à quoi le perso, honnêtement? En fait, c'est un perso. Je suis vraiment très dubitatif. Hein. Il faut avoir des étoiles dessus et malheureusement, t'as pas trop envie d'invoquer pour lui quoi. C'est ça. À part si vraiment vous êtes fan, allez-y, mettez-le à mort étoilé. En plus, j'ai vu quelqu'un sur Twitter qui a mis plus de 70k dessus et il l'a eu que 3 fois. Oui. Donc ça fait chier parce que ouais, pour le coup, c'est vraiment un perso qui a besoin d'être étoilé. Et ouais. Si tu mets autant pour l'avoir si peu, ça fait bien chier. Ça fait mal. Donc ouais, après, à 9 étoiles, ça doit être différent. Mais bon, c'est normal. Après, les étoiles, ça joue aussi d'un côté. Mais ouais, déçu. Mais bon, bah écoutez, on va le jouer. On va essayer de faire des trucs avec. Malgré que ce soit pas le perso de l'année. Dis pas on, hein, moi je crois que je vais pas jouer. Ah ouais? Bon bah toi quand tu veux. Moi je vais reprendre Super C17. Dans cette team là il était pas. Je vais essayer de monter mon C16 mais moi je leur joue pas. Bon comme tu veux dis-nous. Non j'ai pas été convaincu du tout, hein. J'avais pas vu. J'avais vu aucune chose qui m'a dit waouh, le perso il peut faire des bons trucs. Hein. Incroyable. Bon, contre ton bleu là il a mis zéro dégâts. Après c'est peut-être pas les meilleures teams qu'on a. Enfin c'était pas ses meilleures teams qu'on a fait là. Alors certes, mais mieux. C'est quoi sa il y a meilleure team mieux, peut-être. C'est quoi sa meilleure team? À voir. Voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez du Super Vegeta. Hein, ah bah il faut pas se faire mal. Ah. Si vous avez des idées de team pour nous, si vous avez des idées, etc. Enfin, dites-nous un peu ce que vous en pensez du Super Vegeta. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Et puis bah voilà. Et puis voilà. Voilà. Peut-être qu'on fera plus soit peut-être un duel showcase par rapport au C16 si on trouve des idées de team ou quoi pour la semaine prochaine peut-être. C'est bien, ouais, moi je vais monter ma team comme ça, je vais t'éclater. Ouais bah écoute c'est comme ça, hein, c'est la vie et puis voilà. Passez une très bonne soirée. Ciao tout le monde. Allez salut.